Voilà la coupe. Elle a été rapide la coupe. T'es moche. Bullets through his brain. I cannot be for no lame. You're not in my lane. I'm that bitch. Remember that. Oye Vanny, bonsoir. Bonsoir. C'est votre go, Olivani, yeah. De retour pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, je reviens pour une prank. Attendez, laissez-moi mettre la crème, je sors de la douche. C'est vraiment la fin, il n'y a plus rien dedans. Laisse tomber. Donc du coup, aujourd'hui je reviens pour une prank. Et ça va péter. Ça fait un petit moment que vous me demandez, oh Livani, fais des pranks. C'est pas trop mon registre, t'as capté, de vidéo YouTube, c'est même pas du tout mon registre. Calculez pas ça, c'est mon haut de pyjama. Je suis même pas bien coiffée, bref, c'est la pareille. Donc aujourd'hui, je vais pranker ma petite sœur. D'accord, je vais pranker Brunel. Du coup, elle a repris l'école, je connais, parce que les vacances sont terminées. Et du coup, je vais la coiffer et je dois lui faire des mèches. Je vais sûrement lui faire des mèches ce week-end ou je sais pas quand. Mais en attendant, je la coiffe avec ses cheveux naturels. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire exprès de lui faire une coupe de merde pour voir sa réaction, pour voir si elle va me dire Olivani c'est moche ou si elle va accepter la coupe et elle va rien me dire. En tout cas bref, on va lui faire croire qu'on tourne un tutoriel genre en mode ah vas-y viens Brunel, je fais un petit tuto pour montrer différents types de coupes de cheveux afro etc. Je vais lui dire ça et après je vais lui faire sa coupe de merde et on va voir ça. Fucking reaction. Attendez, j'appelle Brunel. Viens, je vais te coiffer. Ferme la porte. Bon, installe-toi ici. On va faire un petit tutoriel pour YouTube, d'accord? Ouais. Comment faire... Elle est là. Comment faire différentes coiffures afro. D'accord, j'aurais déjà expliqué ce qu'on va faire comme coupe. Donc là, on va te faire une petite coupe. Tu vas kiffer, ma belle. Vraiment une coupe trop fashion. Ok. Sinon, tout se passe bien. C'était bien la rentrée à l'école? Ouais, c'était bien. C'est bien. Je me souviens, un jour... Il y a un garçon que je déteste, mais alors là, pas. Et après, quand je suis revenue à l'école, en fait, il y avait plein de problèmes. Mais en fait, au final, c'était pas moi le centre du problème. C'était d'autres personnes, je sais pas pourquoi ils sont brouillés, mais c'était pas moi le centre du problème. Et après, il m'a dit, franchement, hein, au moment que t'es arrivé, il y a plein de problèmes. Alors que aucun, j'ai rien dit. J'étais pas au centre, j'étais même pas dans des histoires. Et puis même avant, quand j'étais pas là, mon amie, elle disait qu'il y avait plein de problèmes. Il y avait déjà eu plein de problèmes. Oh, ça m'avait énervé quand il avait dit « Oh, à cause de toi, il y a plein de problèmes et tout là. » Donc du coup, le mec, il a dit que c'est toi le problème à l'école, quoi, alors que pas du tout. Il y avait il a dit « Sans toi, il y avait moins de problèmes. Hein. » Ah ouais? Ouais. Et toi, tu lui as répondu quoi du coup? Je lui dis « Mais en fait, c'est pas de ma faute si je suis pas... » En fait, logiquement, je suis pas dans le centre des histoires. Donc, de toute façon, c'est pas moi le problème. Et puis, même avant que j'arrive, il y avait déjà des problèmes. Hein. Donc là... Tu t'es embrouillé avec lui quoi, c'est ça? Ouais. Et quand t'as dit ça, tu crois après? Mais après il a fait... Et en fait il adore faire ça. Quand en fait il a plus rien à dire, il fait... Et après il part. Je pense que peut-être qu'il est... il t'embête parce qu'au fond, dans le fond, il est amoureux de toi. Ah non, ah. Pourquoi ça te dégoûte? Non. Ouais, ouais, ça me dégoûte déjà. Ah. Pourquoi ça te dégoûte? Je sais pas... Je l'aime pas. Enfin, je sais pas si tu connais la sensation. Genre, t'aimes pas une personne et je raconte qu'elle est amoureuse de toi. C'est. Ça te dégoûte? Ouais. On sait jamais, hein. Ah. Peut-être que c'est ça. Hein. Dans le fond, il te kiffe, donc il sait pas comment exprimer son amour, donc il vient te chercher. Hein? Bah ouais, mais c'est. Mais c'est possible, non? Oui, c'est possible. J'ai pas envie. T'as pas envie? Mais du coup, t'as pas d'amoureux à ton nouvelle école là? Non. Pourquoi? Ils sont tous ringards. Désolée, si vous voyez cette vidéo, désolée, mais ils sont pas très... Hein. Ils sont pas très quoi? Ils sont pas très beaux, quoi. Ah bon? Et déjà, en plus, eux, ils sont amoureux de que les filles, là. Que des filles qui? Les filles, là, les plus populaires, quoi. Les garçons. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a même pas de filles populaires dans une école, toi, tu racontes n'importe quoi. Pas des filles populaires, mais les filles un petit peu où tout le monde a des... Où tout le monde est amoureuse d'elles, bah, les garçons, ils sont tous amoureux des filles, là-bas, là. Ah bon? Ouais. Donc... En plus, je me souviens, avant, au tout début de l'année, le premier jour, il y avait je sais pas qui là qui m'avait dit que quelqu'un était amoureux de moi. Et puis je le trouvais moche. Et donc, du coup, comme tu le trouvais moche, tu lui as pas donné l'air? Non. Ah ouais? Ouais, parce que. Il est jamais venu te parler lui-même?
Non, ça a été quelqu'un d'autre qui a dû le dire pour lui. Il était peut-être timide. Mais tu le trouvais pas beau, il était comment physiquement? Il avait des lunettes. Je sais pas. Mais les lunettes, c'est parce que t'as des lunettes que t'es moche. Non, je suis en train de te faire sa description. Ok. Des lunettes avec. Comment on appelle ça? Des cheveux un petit peu blonds. Pas blonds, mais brun clair. Non, marron très clair. Une tête basique. Hein. Et puis, en plus, il était plus petit que moi. Ah, plus petit que toi en taille? Ouais. Tu peux pas sortir avec une petite taille? Ah non. Oh, Gali, elle peut, hein. Et toi, tu peux pas? Non, je peux pas. Jure? Enfin, genre, quand je voudrais lui faire des câlins, je serais comme ça, câlin. Toi, tu t'aimes. Et répète les phrases que je dis. Non, mon bébé, j'ai fini ma coupe de rêve. Je vais d'abord montrer aux abonnés. Voilà la coupe. Elle a été rapide, la coupe. Rapide? Tu peux te regarder dans le miroir. Je ressemble à Titan. Mais pourquoi tu rigoles? T'es sérieuse ou quoi? C'est ça la coupe? Ben oui, c'est ça la coupe. C'est ça la coupe. Attends. Non, mais attends, Brunel, tu te fous de moi ou quoi là? C'est ça la coupe. Ah, c'est. Je suis désolée, hein, mais c'est moche. T'es sérieuse? On dirait Titan. Non, mais tu vas partir comme ça, ma chérie. Ah non? Non, mais moi j'ai pas d'autre coupe à te faire là. Je sais pas de quoi faire, donc là je suis désolée, tu vas devoir partir comme ça. Ah, on dirait Titan. Tu vas lancer une nouvelle mode comme ça, je te jure. Elles vont toutes te jalouser, je te jure. Brunel, arrête de faire genre. D'habitude, tu te coiffes mieux. D'habitude, tu te coiffes comme ça. Arrête de faire genre. Arrête de faire genre, ma chérie. À un moment donné, faut arrêter. C'est horrible. T'es sérieuse? Je suis désolée, mais là. C'est quoi ça? T'es moche! Donc là, Crary, là, attends. Donc là, t'es en train de me dire que je t'ai mal coiffée. T'es sérieuse? J'ai pris mon temps sur ta tête et c'est comme ça que tu me remercies? Ben, d'habitude, t'es plus investie, t'es plus concentrée, c'est mieux. Enfin, là, c'est. C'est quoi? Là c'est beau et c'est comme ça que tu vas aller. Allez, sors de ma chambre. Non, mais Brunel, y a pas d'autre choix là en fait, ma chérie. C'est comme ça que tu vas aller à l'école, je te jure, je te parle en sérieux là. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Genre ça te plaît pas? Tu peux faire une autre coupe ou refaire les deux couettes? Non mais Brunel, je te parle en sérieux là, je rigole même pas. C'est comme ça, c'est ça ta coupe, moi c'est ça que je voulais montrer aux abonnés. T'es sérieuse ou quoi? Est-ce que c'est la fin du monde? C'est bon, ça va aller, non? Ça va aller, Brunel, ça va aller, ça va aller. Regarde-toi bien, regarde-toi bien. Regarde-toi bien, Brunel. Je te jure que là, t'as lancé une nouvelle mode. Regarde, tu ressembles à qui? Kodak Black. Tu connais Kodak Black? Je vais te montrer. Attends, je vais te montrer Kodak Black. Brunel, je te jure. Et des fois, il faut lancer des styles. Non, mais là, lui, c'est des dreadlocks. Regardez Kodak. Tu ressembles à Kodak, là, tu trouves pas? Mais non, c'est t'inquiète. Quand tu sais, on fait ça tout le temps, ça va se loxer. Tu veux que ça se loxe comme lui? T'aimes pas? T'es sérieuse? T'aimes pas? Non. Regarde, ça met ton front en valeur, on voit bien ton visage. Non? Non. Bah, je suis désolée, tu vas devoir aller comme ça. Ça te plaît pas? Bah, je sais pas. Je sais pas. Je vais me soucier. Non. Je vais me soucier. T'es sûre que tu veux pas enlever? Ou si tu veux, j'enlève et je fais mes deux couettes. Quelle deux couettes, Brunel? Tu sais pas te coiffer? Si, Aude Bani, je sais me coiffer. Bon, ben. T'es moche! Ah, mais je suis choquée, donc là, c'est genre mon tutoriel, il peut même pas aller sur YouTube en fait, t'es même pas la coupe. Ouais. Bon, ben, c'est pas grave, hein. Je vais me brûler. Mais tu vas faire comment du coup demain? Tu vas garder la coupe quand même, tu vas pas l'enlever? Je sais pas, on verra. Je n'en veux pas! Je veux pas! Je veux pas! Comment ça, on verra? Brunel, j'ai passé mon temps sur tes cheveux, par contre si demain tu viens de l'école et que t'as pas ma coupe de cheveux, ça va me vexer. Je vais d'abord montrer ça aux parents, je vais voir leur avis. Elle va faire une coupe pour que je parte à l'école, regarde. C'est bien. C'est pas bien. C'est bien. C'est beau. Non, c'est pas beau. Mais papa, t'aimes pas sa coupe de cheveux? Ah, va me saluer quoi, je tourne ça. Brunel, c'est bon, je vais partir comme ça, Brunel, c'est bon, les écoute pas. Pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Ah, laisse. Brunel. C'est une prank, viens, je te coiffe. Prends ton bonnet. Je vais te coiffer, t'as coiffé. Papa, c'était une blague pour YouTube, une prank. Papa sourit. Elle va faire la main. Souris. C'est un prank. Mon humain. Maman, c'est bon, tiens. Ah, bon, c'était juste une petite prank. Ma prank a réussi, t'as vraiment cru que t'allais partir comme ça? J'ai trop peur, je me suis dit, attends, mais ils vont dire, ah, Brunel,
Ah, c'est comme ça. Ah ouais, c'est vraiment comme dans Kirikou, hein. Ouais, ouais, je sais. Ouais, c'est... En plus, à chaque fois, ils croient que nous, dans notre pays, on est tout nus. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont vu. Kirikou. Qui nous envoie aussi? Qui nous dit d'aller regarder Kirikou à l'école? Alors là, c'est trop d'informations d'un coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout, abonnez-vous. Bisous. Non, ne m'appelle pas chérie, imbécile. C'est terminé là. Fous-moi le camp. His brain, I cannot beef with no lame. You're not in my lane.